Oh, il va me vider le moulinet. J'avais un pote qui pêchait et un jour il m'a dit viens me voir, tu vas voir, c'est passionnant, c'est plaisant. Une fois que tu as goûté à ça, une fois que tu es mordu après, tu ne peux plus t'en défaire. Je suis allé le voir. Et en plus il pêchait le turbo cette fois-là. Au mois de mars, il faisait froid. Alors il avait installé ses cannes et on discutait. Puis moi j'ai dit j'aimerais quand même voir une grosse touche. Je n'ai pas eu le temps de finir la phrase, la canne s'est pliée en deux. Et il a fait un turbo de 3,5 kg. Et depuis ce jour-là, eh bien, je m'y suis mis. Et une fois que tu fais des beaux poissons, eh bien, pour t'en défaire, ce n'est pas évident. Et je m'y suis mis comme ça. Ce que je sais, je le dis aux autres, parce que si je peux leur permettre de supprimer la partie où ils vont galérer, eh bien, je le fais avec plaisir. Il y a une part de chance énorme. J'oserais dire que c'est plus de 50% la part de chance. Parce qu'il arrive qu'on pêche pendant toute une journée, on ne fait rien, et un type arrive juste derrière, il se met à votre emplacement, le premier lancé, et il sort un poisson. Donc à mon avis, il y a une énorme part de chance. Moi je suis né ici dans le Var, au pied de l'Estérel. Pays de côtes déchiquetées par la mer où souffle le mistral, de collines où chantent les cigales. Et tout gamin, je venais avec mon père et mon grand-père sur ces rivages. On était parfois de l'autre côté de l'Argent, là. J'avais 7-8 ans, en hiver, lorsque le vent d'Est secoue la mer, lorsqu'il fait froid, en mitouflé jusqu'aux oreilles, mon père m'a mené et a commencé à me faire partager cette pêche au loup et la dorade ensuite. Et avec mon grand-père, ils m'ont communiqué cette passion de la pêche, ce plaisir d'être dans la nature aux premières lueurs du jour. Moi, j'effectue un montage assez simple. Je suis passé, comme beaucoup de pêcheurs, par des techniques plus modernes qui sont efficaces, je ne les critique pas. Pour revenir en quelque sorte au montage des anciens ici en Provence, un bas de ligne avec mon hameçon, un émerillon solide qui empêche tout vrillage, une perle de protection pour éviter que le plomb, lorsqu'il descend, vienne briser le nœud, couper le fil, et puis mon olive. Aujourd'hui, la pêche, il ne faut pas se leurrer, c'est assez technique, le poisson évolue. Lui aussi finit par avoir la mémoire de l'heure qu'il l'a piqué ou d'un hameçon. Et aujourd'hui, on est obligé de toujours trouver des techniques beaucoup plus élaborées pour pouvoir le piéger. C'est un hameçon qui a une forme particulière. Il a été étudié par ordinateur. Et c'est un hameçon que le poisson ne peut pratiquement pas recracher. Là, on a un ver qui est magnifique. C'est un ver de chalut. C'est un ver qui est excellent pour la pêche. Un ver qui fait, pour celui-là, pratiquement un mètre de long. En pêchant, on va commencer à couper des morceaux pour garnir l'hameçon, mais à partir de la queue, on garde la tête. Et si il me reste 20 cm de ver après la partie de pêche, que je le mets dans de l'eau de mer, dans du sable, dans un aquarium avec un bulleur, dans un mois et demi, mon ver fera à nouveau 80 cm. Le but dans cette pêche, c'est pas non plus d'attraper une vingtaine de dorades. Il suffit d'en faire une ou deux, c'est déjà une partie de pêche réussie. Mais on a tous espoir dans cette pêche-là de piquer un jour le poisson de sa vie, une dorade royale, la belle aux sourcils d'or qui rôde là depuis longtemps et qui atteindrait ne serait-ce que ses 4 ou 5 kilos, avoir le plaisir
de la travailler au bout de la canne pendant une bonne demi-heure, ça c'est l'espoir de tous les pêcheurs de surf casting, tous les gens qui pratiquent cette pêche. C'est un poisson pour lequel j'ai une fascination. C'est un poisson, lorsqu'on l'a au bout de la canne, qui tire en permanence. Et tant qu'on ne l'a pas sorti, on n'est jamais sûr de l'avoir. Lorsqu'elle arrive tout près du bord, parfois contre le tombant de sable, alors là, il faut s'éloigner, ne pas se montrer, parce que si elle vous voit, elle se déchaîne. C'est un poisson qui, en plus, lutte jusqu'au dernier moment. Et avec la dorade, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Il faut toujours se méfier tant qu'elle n'est pas hors de l'eau. Voilà, un plan de 125 grammes. Comme il rentre dans le sol, je l'ai rentré de 3/4. Bon, 12, 13, 14, 15, 16. C'est pas le plus passionnant de ramener, hein. Là, je suis plus sur le terrain, hein. Là, c'est carrément le bateau et direction les îles. C'est l'expédition. C'est une vraie expédition. Je le sais, des fois, quand je suis dans le bar, des fois, je vais à l'île de Porquerolles. C'est pareil, c'est une vraie expédition. À part que là-bas, on n'a pas le droit de bivouaquer, pas de tente, rien. Donc, il faut choisir le bon jour, quoi. Alors, pas de vent, pas de pluie. Donc ici, même s'il pleut, on a la tente, on peut se mettre à l'abri, et puis voilà. Mais c'est vraiment une expédition pour attraper du poisson. Avec la sardine, on met un trident. Avec un double ou un triple hameçon. Voilà, on met bien dedans. On fait une boucle pour fixer bien à la queue, que ça tienne bien pour le lancer. De temps en temps, il y a des murènes aussi qui passent, c'est un peu moins intéressant, mais bon, c'est des poissons quand même assez rares. Il y en a quelques-uns par ici. En général, elles aiment bien les crabes. Ça, par contre, c'est quand même quasiment exclusivement pour les dorades, les appâts comme ça par ici. Que ce soit des moules, des crabes, elles arrivent très très facilement à les manger. Pour bien les garder, c'est la fraîcheur des appâts, c'est le plus important. Là, on a un bel appât aussi, c'est les grosses coques. C'est pas mauvais pour les dorades. Il y a un petit peu tous les poissons qui y mordent. C'est un très bon coquillage. On pourrait pêcher avec le coquillage en entier. Mais quand il est décortiqué, il y a quand même le côté olfactif qui est intéressant. Ce sont les coquillages comme ça, c'est assez iodé, c'est des appâts qui sentent assez fort dans l'eau. Donc il y a quand même un intérêt de les décortiquer un peu. Et là au bout, je fixe un petit peu de fil élastique pour bien le fixer, qu'on puisse lancer sans problème. Ça fait quand même un bel appât. Une fois posé sur les hameçons, voilà comment il est présenté dans l'eau pour les poissons. Ça fait une belle bouchée quand même.
Il faut quand même un peu connaître le milieu où on pêche. Hein. Donc il faut l'observer, il faut le regarder. Le sens du vent, le courant. Là, le vent d'est engendre un courant vers la falaise. Donc s'il y a du poisson, le poisson va remonter. Donc il va venir manger. Et il faut quand même observer la mer. Ben, le couteau frais, quand il est frais comme ça, tout le mange. La dorade en raffole, le loup le mange, le sar le mange, un peu tous les poissons. À l'époque, les vieux, les vers de sable, tout ça, ils n'en avaient pas. Hein. C'était des couteaux qu'ils allaient faire dans l'étang ou après les coups de mer qui étaient rejetés. Donc tous les vieux, ils pêchent exclusivement au coquillage. Hein. Et ça marche. Hein. Et on ligature le couteau pour pas qu'il s'en aille. Donc on fait un rôti un peu. Et ça tient mieux la maçon. Les coquillages, les amandes, les langues rouges, tout pareil. On ligature tout, parce qu'en plus on pêche avec des gros hameçons. Avec du 3-4-0. On en met 2 ou 3 chaque fois dessus. Et on ligature tout pour pas que ça s'en aille au lancer. Et le problème du couteau frais, c'est que on n'en trouve pas partout. Et quand on en a besoin, il n'y en a pas. Et quand on n'en a pas besoin, il y en a partout. Donc c'est assez problématique. Alors, c'est pour ça que quand il y en a, il faut en profiter. Bon, si on arrive à lancer entre 60 et 80 mètres, c'est déjà joli. De toute façon, ça ne sert à rien de le lancer loin. Parce que bien souvent, le poisson, il est plus près qu'on le pense. Hein. Ça arrive des fois qu'on le passe dans la vague à 20 mètres du bord. Donc il faut toujours en lancer une loin, quand on pêche à plusieurs cannes, une loin, une moins loin, une près. Et chaque fois qu'on ramène la canne, on rechange les distances de lancer. Parce qu'il faut le prospecter le poisson. Il vient, mais il faut aller le chercher aussi. Mais bon, on est venu pour ça. Hein. Alors là, si pour le ver de sable, s'il n'y a pas d'aiguille, c'est impossible à mettre. Donc là, il faut être patient, le faire rentrer comme il faut. Parce que sans une aiguille, ça passe pas. Le tout, le bibi, c'est de ne pas le vider. C'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il se vide facilement. Mais c'est vrai qu'un bibi comme ça, pas vidé, qui bouge bien sur le fond, c'est attractif, il n'y a aucun problème. Le bibi est intéressant parce que les petits poissons souvent ne le touchent pas. Et ça sélectionne quand même des beaux poissons. Des loups, des belles dorades. On peut prendre une belle ombrine aussi comme... Il n'y a pas de souci à se faire, on a toutes les chances que l'appât l'intéresse. Le fil le traverse, j'ai placé un petit stop-float sur mon fil pour éviter qu'il remonte le long du fil, que l'hameçon sorte du verre et que donc il soit inopérant. Et il continue à bouger, alors imaginez un verre comme ça qui bouge sur le fond, c'est un appât à poisson, c'est incontestable. C'est le paradis. Il faut pêcher dans les taches vertes. C'est pour ça qu'arriver de jour, ça permet un peu de se diriger la nuit. Il faut choisir un endroit où il y a des petits bateaux, parce qu'eux, ils ne vont pas rester s'ils n'ont pas de cabine. Thank you.
toujours des montages assez simples avec une olive, un émerillon, petite gaine en plastique pour protéger le fil et le bas de ligne derrière. D'habitude, je me mets un peu à la pointe sur le rocher, mais quand la mer tape comme ça, c'est pas trop risqué, mais il y a des vagues, il n'y en a pas beaucoup, mais de temps en temps, il y a une vague qui passe par-dessus et qui fait voltiger les cannes. Donc on est obligé de se mettre un petit peu derrière pour être à l'abri quand même. Ouais, à chaque fois, c'est vrai, c'est toujours à peu près pareil. Il faut bien lancer, bien retendre, laisser descendre le plomb et surtout reprendre tout le fil qui a été emporté par le vent, quoi. C'est indispensable pour avoir le fil tendu et pour voir les touches. Il faut y aller petit à petit. Petit à petit, il y a le plomb qui se cale au fond et on récupère tout doucement, sans tirer sur le plomb, on récupère la vingtaine de mètres de fil qui est détendu. La moindre erreur se paye de suite, quoi. Ça se paye cash. Le moindre moulinet un peu trop serré. Mais la marée, c'est quand ça, elle vient d'Italie. C'est le courant ligure qui nous l'amène, nous. Mais en fait, c'est pas comme une marée qui est en Atlantique. Hein. Ça, la mer, elle reste toujours là. Quand elle va arriver, on va voir arriver une légère vague. Et hop, ça va la couvrir. Ça va recouvrir les cailloux. Et voilà. Moment propice pour pêcher, hein, parce que ça doit un peu remuer le fond. Et là, le poisson a tendance à rentrer. Mais ici, je ne sais pas, on va voir. On va voir si on le voit, ce phénomène ici. Il y a une bande de sable là-bas, il y a une tache un peu plus claire. Les vagues marquent. Donc il y a une bande de sable et juste derrière, il y a le trou. Et comme on a du vent d'est, Peut-être que ça va amener tout ce qui est soulevé du sable dans le trou qui est juste là-bas. Peut-être là, j'étais pas au bon poste. Donc je vais aller prospecter un peu plus loin en essayant de tomber dans le bon trou. Et si ça marche, ben, on ira mettre toutes les cannes là-bas. En plus, à cet endroit-là, il y a des rejets. Peut-être que le trou est meilleur là. On essaye de taper derrière le banc de sable, parce que c'est là où la houle vient taper et soulève la nourriture. Donc le mieux, c'est derrière. Mais quand le banc de sable est un peu loin et qu'on n'arrive pas, en lançant, à taper derrière le banc de sable, il faut voir s'il y a une entrée et une sortie. Un peu comme les baïnes atlantiques. Hein. Il y a une entrée. Le banc de sable, donc ça fait un couloir et ça ressort de l'autre côté. Et là, il faut taper devant le banc de sable. Parce que là, toute la nourriture est roulée sur le banc de sable et elle tombe dans le trou qui est formé devant. S'il y a une entrée et une sortie, le poisson il rentre, il vient se nourrir, il ressort, il fait un tour et il revient. Si c'est fermé d'un côté, le poisson il rentre et il ressort, il ne revient plus. Il faut qu'il puisse y avoir une communication. Alors, c'est pas la science à 100%. Hein. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Ici, on a donc un banc de sable qui est là devant, comme ça. Et puis, on a une passe
avec un autre banc de sable qui part assez loin comme ça, vers Saint-Dégueuf. Et là, on a l'embouchure de l'Argent. Donc il est certain que les endroits où il faut pêcher, c'est là, devant le banc de sable, ou alors lancé suffisamment loin pour être dans le trou carrément devant. Mais l'idéal, c'est d'être ici, et c'est d'être dans la passe, et là, contre le banc de sable. Parce que la mer, lorsqu'elle va commencer à bouger un petit peu, en milieu, en fin de matinée, l'eau va racler le sable comme cela pour faire tomber dans le trou qui est là du sable, évidemment, avec, en remuant le dessus du plateau, des vers et des coquillages. Et le poisson donc se trouve dans ces zones, dans ces trous qui sont là, parce qu'il a une hauteur d'eau suffisante au-dessus de lui et il se sent donc plus à l'abri que dans des fonds de 40 cm, et en même temps, il a une nourriture qui, en quelque sorte, lui tombe du ciel. Ça tombe directement dans le trou, et ils n'ont qu'à manger. À l'œil, et surtout avec des lunettes de soleil ou polarisantes, là, on distingue très très bien les bandes de sable et les trous. Alors, il est certain qu'au niveau du banc de sable, eh bien, la mer est beaucoup plus claire, et au plus il y a de fond, au plus la mer devient bleue, devient sombre. Et on repère comme cela les bancs et les trous. On le voit aux vagues aussi, lorsque la mer bouge un peu, eh bien, il n'y a pas de secret. Les zones profondes, eh bien, si la zone est profonde, les vagues ne sont pas très marquées. Par contre, il est certain que s'il y a peu de fond, immédiatement, on a des vagues qui se forment et qui sont beaucoup plus marquées. Là, je crois qu'on va le mettre peut-être à la place de la sardine, s'il est vivant. Il est tout rayé, là. Ou il s'est caché dans les cailloux, mais bon. Ou il s'est peut-être fait mordre par un poisson, déjà. Tant qu'il remue un peu, même s'il pêche peut-être qu'un quart d'heure ou 20 minutes en vie, mais ça sera un quart d'heure ou 20 minutes où ça peut être intéressant pour nous. Il ne faut pas finir de le tuer quand même, ça serait pas bon. Voilà. Et là, il est prêt à affronter les grands prédateurs. Quand on lance un vif, on ne peut pas vraiment envoyer trop loin. Mais il est pas trop mal, il y a la pointe de rocher, il doit être juste à côté. Donc là, il faut bien desserrer le frein, que si le poisson attrape, qu'il ne sente aucune résistance, qu'il ait bien le temps de manger le vif, qu'il ait bien le temps de l'avaler. En fait. Et on va mettre la canne. Voilà. On peut s'attraper un congre si on n'a pas de chance. Mais ce serait... là, c'est vraiment pour le dentier. C'est quasiment spécial, spécialement pour eux. Peut-être une cyriole, il y en a quelques-unes qui peuvent passer par hasard. Mais là, ce serait vraiment avoir beaucoup de chance. Il y a quelque chose qui me dépasse là, parce que 6 cannes à l'eau et pas faire un poisson, c'est quelque chose qui... Non. Mais j'y reviendrai.
La pêche de nuit, on voit rien. On ne sait pas ce qui se passe. Et d'un coup, la canne plie. Et là, même si on est un peu endormi, on se réveille vite et on court pour aller récupérer la canne. Quand les lumières se mettent à danser, quand ça se met à bouger, c'est un beau spectacle. Il faut y croire, toujours y croire. Il ne doit pas être gros, mais je pense que c'est un loup. Voilà ce pourquoi on était venu. Voilà, juste pris sur le bord. Ah, c'est un joli petit loup. Hein ? Voilà ce pourquoi on vient à la pêche. Mais comme c'est une petite taille, et que des poissons comme ça, moi, je préfère qu'ils repartent à l'eau. Donc, je le remets à l'eau. Tout ce qui est en dessous du kilo, je le remets à l'eau. Il paraît que en dessous du kilo, le poisson n'a pas le temps de se reproduire. Si jamais ce qui va sortir, si c'est gros, petit... Voilà, c'était pas un énorme, mais c'était un loup. Donc content de l'avoir fait, content de l'avoir sorti et content de l'avoir remis à l'eau. On va voir. Non, il n'y a rien. Quel dommage. Là, ça a l'air de partir. Oula, oula, oh, là, ça part dur, là. Ah! Là, il y a un poisson, là. Oui. Oui, cette fois, il y a un poisson. Voilà, ça arrive. Elle n'est pas piquée profondément. Hein. Regardez, elle est juste accrochée. Une belle petite dorade. On voit bien la gueule pavée là. Regardez les dents qu'il y a sur le bord des lèvres. Donc on imagine une dorade bien plus grosse, une dorade de 3-4 kg, ça a déjà des ratounes assez conséquentes. On comprend pourquoi, quand on voit la gueule comme ça, que les hameçons ont du mal à rentrer. Hein. Il faut se mettre à la portée de la mer et d'être là à l'écoute, de savoir ce qu'on peut attraper comme poisson. Moi, j'ai toujours plus ou moins péfouillé.
comme diraient les autres. Et du jour au lendemain, eh ben, quand je suis arrivé dans la région, quand j'étais sur Toulon, je pêchais pour moi, pour mon propre compte, comme ça, quoi. Mais sinon, quand je suis arrivé dans la région, je me suis fait des copains, ils étaient dans des clubs, ceci et cela, ils m'ont dit « ouais, viens pêcher, l'ambiance elle est sympa ». Et je me suis mis au surf comme ça, et après, l'année d'après, j'ai commencé à faire des compétitions. Voilà, ça m'est venu comme ça, mais j'ai toujours plus ou moins pêché. Ah ben ça est bien qu'il y en a une, de paye. Ah, ça ferait plaisir, hein. Ah, dorada. Non, marbré. Ah, il est de taille. Oh, ça, tiens. Il fait facilement 35 celui-là. Accroché. Elle est juste devant. Hop là, il tire bien. Elle veut aller au fond. Voilà, la première belle dorade. C'est l'inconvénient, le crabe, on a quand même eu de la chance avec la première parce qu'elle ne mordait pas franchement. Regardez, tout décortiqué, tout cassé, mais il y avait deux crabes. Et elle ne s'est pas piqué. Il y a quand même plus gros par ici, mais bon, celle-là doit faire presque 2 kg. Elle ne doit pas être loin des 2 kg. Voyez. Belle dorade, elle est envolée. Je pense qu'elle a les deux hameçons dans la gueule. Elle est bien piquée. Elle ne risquait pas de partir celle-là. Elle en avait un là. Et l'autre au coin. Et voilà, et là on voit la barre sur les yeux. La barre dorée. Et sur les côtés, une belle nageoire. Elle a dû bien manger celle-là. C'est une pêche que j'aime beaucoup parce que c'est clair, c'est net. Elle s'apparente un peu à la chasse à l'affût pour celui qui est chasseur. On cale les cannes, on attend, et il faut patienter parfois des heures. C'est clair et net, c'est l'équivalent de l'affût pour la chasse au gros gibier. Et puis dans cette pêche-là, dans cette part de hasard, eh bien, il y a aussi le plaisir de voir cette immensité et de se dire, sous cette eau calme, c'est une vie immense qui grouille. Donc il y a cette part d'incertitude, c'est certain, qui fait vraiment l'attrait de cette pêche. On a le temps de sentir le vent qui se lève sur le visage, on a le temps de sentir les odeurs, l'odeur de la mer, l'odeur de l'iode, l'odeur des pins, l'odeur des fleurs lorsque on approche avec ses cannes de la plage. On s'intègre pleinement à la nature et je crois même qu'on devient à la pêche, en surf, c'est sûr, en définitive on est une dorade. À la chasse, à l'affût, au sanglier, on devient soi-même sanglier. Je crois que là, on est vraiment dans la peau d'un prédateur. C'est le tigre qui est caché dans les herbes et qui surveille une proie. C'est le félin qui est en Afrique, qui est sur une branche et qui est prêt à fondre sur une gazelle ou autre. C'est une pêche d'attente, c'est une pêche d'espoir. On est vraiment dans la nature. Là, c'est le top. Sur cette plage-là, c'est le top. On est à la descendante. Donc ça a brassé pendant 4 ou 5 jours. C'était vraiment trop fort pour venir au démarrage. Donc là, tout ce que la mer a remué dessous, c'est en suspension, posé au fond.
Ça fait que le poisson, là, il vient, il mange et il s'en va. Donc c'est pour ça qu'il faut venir là. Les conditions ne sont pas énormes, c'est les conditions de fin de coup de mer, ça. Et bon, c'est, si on a la chance, vous allez voir ce que c'est que les conditions de fin de coup de mer. Parce qu'ici, c'est une plage quand même un peu hors du commun, étant donné qu'on a un étang derrière. Donc le loup, il navigue entre la mer et l'étang. Il a la nourriture qui est ou dedans ou dehors. Donc il se promène partout là. Et c'est pas rare des soirs de faire 5, 6, 7 poissons de plus de 3 kg. Donc ici on vient pour pêcher des gros poissons. Donc les petits loups on les remet à l'eau. On vient avec des hameçons énormes et des appâts énormes. On ne vient pas pour pêcher les médaillons et autre chose de ce genre là. C'est que pour le loup. C'est sûr que l'idéal pour nous, envoyer, ça serait d'envoyer là-bas contre notre bande de sable, là-bas loin, dans le trou. Quoi. Mais moi, je sais que les autres années, il n'y avait pas ce bande de sable, il n'y avait pas ça, et il y avait une petite barre en travers par là, environ 120 mètres. Et moi, je n'envoyais pas très loin de la barre, là, en me mettant ici. Et là, c'était bon à tous les coups, hein. J'étais jamais bredouille. Hein. Il y a peut-être 3-4 ans, juste devant là, il y avait de la roche, il y avait des petits blocs, tout ça, il y avait de la démoule dessous, tout ça. Et c'est pour ça. Et bien, il n'y a plus rien là. Ah oui. C'est recouvert. Mais non, c'est que du sable. Et ça, c'était excellent. Moi, ce que j'envoyais devant ce truc, contre ce truc, et c'est là que les dorades, elles venaient. En général, lorsqu'on pêche sur des plages, il est bon de repérer ainsi les bancs de sable, de connaître les trous, de connaître les bancs, et de pêcher en fonction de tout cela. Moi, j'avoue que mon épouse aime bien se baigner, adore la plage. Moi, si j'aime la mer, je ne suis pas un fou de la baignade, mais il m'arrive parfois l'été de venir là avec masque et palme et de nager pendant 2-3 heures. Les gens vont se demander ce que je fais. Eh bien, tout simplement, j'examine les fonds, je repère les trous, je repère les bandes de sable et je sais à peu près exactement à telle distance où se trouve le banc de sable, quelle est la profondeur qu'il y a entre le banc de sable et la plage, la profondeur sur le banc, etc., etc. Et je crois que la pêche en surfcasting, la pêche sur la plage, commence avant tout par une bonne connaissance des fonds et du secteur sur lequel on va opérer. Ça, c'est très très important. Dès qu'on est à la côte rocheuse, de toute manière, il faut quand même avoir une idée précise du fond qu'il y a dessous, quoi. Parce qu'il faut trouver les endroits un peu sablonneux. Et c'est sûr que c'est un endroit, j'ai plongé un peu, j'y venais l'été. C'est comme ça que je me suis dit que ça pouvait être... C'est en voyant le fond que je me suis dit que ça devait être bon pour la pêche. Hein. Quand on peut, c'est toujours bien de se mettre à l'eau et de regarder, en été, de regarder un peu l'endroit où c'est que l'on pêche. Ça, c'est un conseil à donner. On dit que la dorade est très méfiante. A priori, c'est pas qu'elle est vraiment méfiante. Mais c'est un poisson qui est un broyeur de coquillages et qui, la plupart du temps, se nourrit de coquillages. C'est un poisson qui a l'habitude de saisir une moule, par exemple, de remonter un peu par rapport au fond avec, de la broyer, de la lâcher. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le comprend. Avec le courant, les débris de coquillage vont s'éparpiller. Le coquillage lui-même, nettoyé, va tomber sur le fond. Et là, la dorade va aller récupérer ce coquillage qui est propre, qui est intact, et l'avaler. Et elle a cette habitude, donc lorsqu'elle saisit un ver, bien souvent, elle fait la même chose. Et il ne faut pas, évidemment, pendant qu'elle fait ça, qu'elle sente une résistance, sinon elle va comprendre, tout lâcher, et le pêcheur a perdu tout espoir de la capturer. Et pour les dorades, on pêche aussi un peu à la moulin. Alors là, on va essayer d'en ramasser deux ou trois pour mettre une canne
à la moule et peut-être une au crabe aussi si on en trouve. Bon, les moules, ça reste toujours, c'est toujours à peu près pareil. Mais vaut mieux les ramasser fraîches à la rigueur que les ramener la veille de la maison. C'est toujours mieux de les prendre sur place. Hein. C'est les appâts qui tiennent bien, vu qu'il y a la coquille, c'est vraiment que les grosses dorades qui peuvent s'y attaquer à des appâts comme ça. Alors là, avec un petit tour de vis, ce qu'il faut, c'est le rentrer et écarter un peu les deux parties. Voilà, juste comme ça. La garder un peu entrebâillée. Et après, on fait juste glisser l'hameçon à l'intérieur. Et voilà, les hameçons sont à l'intérieur de la moule. Elle est toujours vivante, fermée, prête à être croquée. C'est le seul poisson qui, on va dire, qui a les dents adaptées pour manger les moules. Ils ont des grosses molaires plates qui leur permettent d'écraser tous les coquillages, que ce soit les moules, les couteaux aussi, un peu les coques. Ah, c'est le paradis. Le paradis sur terre. Robinson Crusoe. Personne aux alentours. Alors, je pense que ça brasse dessous. Maintenant, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort? Il y a de l'herbe, est-ce que ça gêne le poisson? Je sais pas. Bien que là, ça a l'air de s'être calmé un peu. Peut-être que le poisson est dans l'étang et attend la tombée de la nuit pour sortir. Je sais pas. Le courant, c'est le bon. C'est le courant rentrant. Oh, je pense que la tombée de la nuit, on risque d'avoir des surprises. Je le souhaite. Pour les pêcheurs de surf, je pense que c'est le poisson mythique. Hein. Ça, avec la dorade, les grosses dorades, je pense que ce sont les poissons les plus recherchés. Et un joli loup de 3 kg au bout d'une canne, ça donne des sensations. Hein. C'est agréable. Et puis, c'est un poisson magnifique. Hein. Et comme les conditions pour le pêcher, c'est pas régulièrement qu'on les a, donc il y a une motivation supplémentaire, une montée d'adrénaline supplémentaire. Et puis tant pis, ce n'est pas sur la nuit, tout le monde y vient. Voilà. C'est une touche, mais elle n'a pas dû vouloir se piquer. Une bugue avec ça alors. Putain, ça y est, il y a ça. Là, ce soir, on ne s'en sort pas, c'est ça. Ça, c'est les bugues, ce qu'on a, bugue, bogue, tout ce qu'on veut. Quoi. Ça, voilà, ça, c'est les poissons de concours. Poisson de concours, ça. Dans 10 minutes, même si j'ai pas de touche, je vais remonter les cannes parce que s'il y a ces bugues, les appâts, ils sont morts. Ils se mettent autour de la maison et ils te dépiotent, ils te laissent tout propre, le fil de la maison, il ne reste plus qu'à recommencer.
Allez, c'est parti. Il y en a un au bout. Il y en a un au bout. Il n'a pas l'air vilain. Il ne doit pas être loin. Là, le voilà. Il est là. Voilà pourquoi on vient passer des nuits blanches. Pour ça. Pour ces bébêtes-là. Voilà. On vient pour ces poissons. Voilà. 2 kilos, 2 kilos et demi, il doit faire celui-là. Ouais, là, c'est prise. Parce que là, j'en mets pas les doigts. Putain. Regarde bien, toi. Pas besoin de gros hameçons. Hein. Regarde. Celle-là, je l'ai prise au vert de sable. Elle est un hameçon de 10. Hein. Voilà. Ça va être fort d'un poigne, hein, en dessous. Maintenant, il faut que je récupère mon aiguille. Hein. Et tout ça, on n'a pas vu la touche pour la bonne raison qu'elle m'a l'a pris, l'appât. Et elle l'a de suite avalé. L'hameçon étant tellement fin, elle a tout avalé. Et quand elle s'est sentie piquer, elle a fait du surplace jusqu'à ce que je tire. Chaque fois qu'on jetait un hameçon, on ramène du poisson, je changerai de métier et je me ferai poissonnier. Ça aurait plus de charme, ça aurait plus rien, quoi. Il y a des postes, il y a des endroits clés. Mais à 50 mètres près, le voisin de droite peut en faire, le voisin de gauche peut en faire, et celui du milieu ne fait rien. Et la fois d'après, c'est le contraire. Donc, c'est assez capricieux comme pêche. Mais bon, c'est le paradis. C'est le paradis. Et le plus difficile déjà, c'est de savoir les postes, de connaître les postes, déjà. Donc ici, étant donné qu'on fréquente régulièrement la plage, on arrive à savoir à 10 mètres près où c'est qu'il faut lancer. Et puis après, il faut essayer de raisonner comme le poisson. Alors c'est très difficile. Il faut jouer avec les courants, surtout quand on est ici, là, à l'embouchure. Quand le courant rentre ou quand le courant sort, il faut essayer de s'imaginer à l'endroit où on va se mettre, si on était le poisson, pour manger. Voir si on arrive à remonter le courant, si on se laisse descendre. Donc c'est difficile. Donc eh bien, on pense, on réfléchit et on essaye d'analyser la chose. Et des fois on analyse bien et des fois on analyse mal. Il y a des jours où il va manger, on ne va pas savoir pourquoi. Et d'autres jours on pourra lui présenter ce qu'on veut. Eh bien, il ne mangera pas. Des fois il va manger de bonne heure, des fois il va manger tard. C'est un petit bonheur la chance. Ah ben, un sar. Mais là, c'est un joli sar. Un autre poisson.
on voit bien les rayures du sar. Un joli sar, il doit faire presque 1 kg. On voit les belles marbrures. Et la queue bien noire et la tache là en bas de la queue. C'est quand même des beaux poissons. Eh bien, le loup il vient là-dedans. Parce que les vagues vont tout décoller du fond. Les coquillages, les vers, toute la nourriture va être sortie, va être défouillée. Et là, il va venir, il n'aura pas à se casser la tête, il va venir et puis se nourrir, il mange. Il n'aura pas besoin de chasser les poissons, il n'aura pas besoin de se creuser la tête, de calculer, il va venir. Et il va manger tout ce qui sera ou en suspension dans l'eau ou posé au fond. Alors là, on va attaquer en plus la période où il va venir se nourrir. Parce qu'il va aller se reproduire, donc il faut qu'il fabrique de la graisse, qu'il prenne des forces, parce qu'après, pendant un moment, il ne va plus manger. En période de reproduction, il ne se nourrit plus, donc il vient se gaver là. Il vient manger tout ce qu'il peut manger, il l'avale, en prévision justement de ça, de la reproduction. Donc là, on arrive dans la bonne période. Fin octobre, novembre, décembre, c'est le meilleur moment pour ça. Après, on peut venir continuer à pêcher, mais le problème, c'est qu'on va faire des femelles pleines d'œufs. Si on commence à taper des femelles pleines d'œufs, la reproduction ne se fait plus et le poisson est en diminution. Donc, c'est pour ça que moi, je m'interdis personnellement de venir pêcher en période de reproduction. Ça ne sert à rien. Si je viens sortir les reproducteurs de la mer, mon fils, si un jour il vient à la pêche, ben, il n'aura plus rien à pêcher.